Hey, 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 c'est moi encore, Richard. Puis maintenant, je suis ici avec Amélie. Et je joue un rôle vraiment important pour les chartes de diversité corporelle. C'est le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine avec 30 entreprises privées qui se sont réunies. Ils ont rédigé une charte pour que le stéréotype du modèle unique de beauté change pour plusieurs modèles de beauté pour qu'on puisse avoir des défilés avec des mannequins de tailles diverses, des grandes, des petites, des plus rondes, des plus minces. Et ce soir, les mannequins ont signé la charte. Les mannequins de toute grandeur et de toute grosseur et de toute forme et de toute origine aussi. You just participated in the fashion show, all shapes and sizes, is that right? And how was the feel in the crowd? The crowd was awesome. They really appreciated everyone. They clapped. It was really an amazing crowd. Yeah, and how did you feel being a part of it? I love the experience. I've been a model since I was 16 years old. It's another sign of my modeling being a little bit bigger. So I'm embracing it and loving that everybody is loving bigger models now. Nice. Merci, merci. Tu just viens de faire le défilé de mode? Oui, puis est-ce que vous aimez ça? Ça a très bien été. Ça passe très vite. Oui. On sort, on se montre comme qu'on est, puis c'est pour promouvoir un corps en santé. Puis je crois qu'il y a une certaine fierté à faire ça. Il y a beaucoup de jeunes filles qui grandissent, des jeunes filles de 10, 12 ans, 13 ans, qui voient des défilés, qui voient des jeunes filles qui sont très minces et très grandes. Mais là, ils vont pouvoir voir que c'est pas nécessairement seulement ça qui est beau. Merci vraiment beaucoup, les filles. Dernière chose, montre-moi le visage mannequin. Vas-y. Hey, hein, tout le monde. Le dernier mot, c'est aller sur jesignenligne.com pour signer la charte, pour adhérer, pour qu'on soit des milliers et des milliers et des milliers à dire à l'industrie qu'il faut changer les stéréotypes de beauté. Merci beaucoup.